de me décider. Y'a qu'on soit gâché le matin. Judas, moi je me continue à s'y faire. Y'a pas la haute, m'a décidé. Y'a qu'on est là, n'a pas ni sous-souté. De chacun de ces personnes ici. Je te rends grâce pour la bénédiction qui repose sur nous en abondance, car ta parole le dit et déclare que là où deux ou trois s'assemblent, ton nom, tu es parmi eux, et qu'il est doux et agréable aux frères de se mettre ensemble, car là tu déverses ta bénédiction en abondance. Avant de l'avoir vu, je le crois parce que ta parole le dit, dans le nom de Jésus de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, nous disons Amen. Et tu peux dire après moi, Amen. Tu peux encore monter dans ton Amen encore une fois. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur une fois? Pendant qu'on est encore debout, on peut prendre nos Bibles. Pendant que vous êtes encore debout, on ramasse les Bibles ou bien on les ouvre ou bien on les clique. Ça dépend. Plusieurs lectures dans un seul livre. On va sauter des chapitres, des versets. Je fais ça comme ça pour essayer de contextualiser ce que je dois dire avant que je lance les thèmes. On commence par Esdras chapitre 3, le premier au troisième verset. Ensuite, nous prendrons le chapitre 4, le septième verset. Ensuite, le douzième et le treizième. Puis le dix-huitième. Puis le vingt-et-unième au vingt-quatrième. Ensuite, le cinquième chapitre, du premier au cinquième verset, je pense que ça suffira pour que vous ayez l'idée de l'histoire dont il s'agit ici. Je disais qu'on commence avec Esdras chapitre 3, le premier au troisième verset. Esdras chapitre 3, le premier au troisième verset. Esdras, il est contemporain de Néhémie, d'Esther, et dans notre livre, le livre des rois. Esdras chapitre 3, 1 à 3, on va chauffer nos voix et faire un peu frais pour parler à haute voix. Esdras 3, 1 à 3, 1, 2, 3, on y va. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Josadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, s'élevèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin et du soir. Quelqu'un dit Amen. Alors ici, pendant qu'on est debout, les enfants d'Israël rentrent d'exil sous un édit. Et quand ils arrivent sur la terre abandonnée de Jérusalem,
ils font comme ils prennent l'initiative tous ensemble de rebâtir l'autel pour commencer, pour restaurer les sacrifices. Je veux que vous puissiez noter le fait que Josué, Zorobabel ainsi que ses frères s'élevèrent eux-mêmes et bâtirent l'autel de Dieu. Nous continuons maintenant avec Esdras toujours, chapitre 4, on va au verset 7. On va au verset 7. Esdras 4, chapitre suivant donc. Le 7e verset, une de trois, on y va. Et du temps d'Artaxerzès, Bishlam, Mithridat, Tabel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerzès, roi des Perses. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Ce sont là les noms des ennemis des Juifs qui vont écrire une lettre pour accuser le fait qu'on commence une reconstruction de la ville qui était considérée comme rebelle de Jérusalem. Alors on va toujours dans le même chapitre, au verset 12. Au verset 12 et au verset 13. Verset 12 et verset 13. Une, deux, trois, on y voit. Que le roi sache, excusez-moi. Donc c'est la lettre maintenant qu'ils écrivent, qu'on est en train de lire, une partie. Une, deux, trois, on y va. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante. On relève les murs et on restaure les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie, et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribu, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Le verset 18, à mon signal, le verset 18, une, deux, trois, on y va. Que vous nous avez envoyé a été lu exactement devant moi. Vous comprenez que c'est le roi qui répond au verset 18. 21 à 24. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerzès eut été lue devant Rehum, Shimshai, le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Si on était des anglophones, on dirait « by fire and by force ». Dernier verset. « Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi des Perses. » Donc vous comprenez que les travaux sont interrompus. On va au chapitre 5, on lit les 5 premiers versets. 1, 2, 3, on y va. Agé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadac, s'élevèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Tchétar, Bozaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs? Il leur dit encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. On laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Quelqu'un dit amen. On peut se mettre, que le Seigneur nous bénisse. Je vais ajouter un texte que moi-même je vais lire pour vous. Ensuite, je vais parler de la part du Seigneur pour ce matin. Je vais lire, je vais l'ajouter pour ceux qui écrivent, Luc chapitre 5, verset 5. Luc 5, 5, il est écrit, « Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Le terme de ce matin était d'abord « sur ta parole », mais ensuite j'ai changé pour dire « vivre prophétiquement ». Ça dépend, si toi tu préfères l'ancien, tu peux prendre l'ancien, bien le nouveau. « Vivre prophétiquement » ou bien, si vous voulez, « sur ta parole ». Alléluia. Qui me dit bien, hein? Amen. Tu ne t'entends pas?
il y a une situation qui se passe dans le livre d'Esdras. Les enfants d'Israël, je vous l'ai expliqué, arrivent, rentrent sur leur terre où ils ont été déportés, et ils prennent comme initiative de commencer à rebâtir, en commençant par l'autel. Ils commencent à rebâtir. Si vous lisez bien avec moi le chapitre 3 d'Esdras, le début nous dit qu'ils se sont concertés entre eux. Le terme qui dit ils se levèrent, ça veut dire qu'ils ont pris l'initiative de commencer à bâtir. Entre eux, ils se sont concertés et ils ont commencé à bâtir. Et c'était, il semble, une bonne initiative. Mais il est arrivé des hommes qui ont comploté contre cette initiative au point qu'ils ont fait cesser les travaux en écrivant une lettre à un roi. Et le roi a ordonné l'arrêt des travaux. Le travail va s'arrêter jusqu'à ce que même ce roi-là va partir. Et quelques temps après même, les travaux ne continuent pas. Jusqu'à ce qu'au chapitre 5, la Bible déclare qu'il y a deux personnes qui apparaissent. Agé et Zacharie. Ils s'élèvent et ils prophétisent. Et quand ils se mettent à prophétiser, les enfants d'Israël, leurs leaders, Zorobabel, Josué, s'élèvent sans avoir à consulter le roi, sans avoir à demander son avis, ils se mettent à rebâtir, encore une fois. Et les mêmes ennemis s'élèvent encore pour faire cesser les travaux. Ils écrivent encore une lettre. Mais le verset 5 déclare, le Seigneur était en train de veiller sur eux. Et ce verset 5-là montre que les prophètes de Dieu les assistaient. Ça, c'est le paramètre qu'il n'y avait pas la première fois. En conséquence, si vous lisez le chapitre 5, vous allez remarquer que les travaux qui s'étaient arrêtés à cause de la même tactique de leurs ennemis l'autre fois, ne va pas s'arrêter cette fois-ci. Les travaux vont continuer. Et jusqu'à ce qu'ils vont se terminer. Pourquoi? Quel est le paramètre qui donc fait la différence entre les deux? C'est simplement que la première fois, c'était le même leader. Ce n'était pas un problème de leadership. C'était le même leader. C'était le même responsable des travaux. Mais il n'y avait pas des prophètes avec eux. Où il n'y avait pas une prophétie pour le début des travaux. Mais au chapitre 5, on nous montre qu'il y a une prophétie. Agé et Zacharie prophétisèrent. On ne sait, on dit même pas ce qu'ils ont prophétisé. Mais seulement ils ont prophétisé. Et cette prophétie-là qu'ils ont donnée a donné le mot, le lancement pour que les leaders commencent à bâtir. Quelqu'un me dit bien amen. La problématique de ce matin, c'est celui de nous ramener à une vie qui est prophétique, parce que pour un homme de Dieu, un enfant de Dieu, un homme spirituel, il n'y a pas possibilité de victoire sur la terre si ce n'est pas prophétiquement. Quelqu'un me dit bien amen. La terre ici n'est pas à nous. Le monde n'est pas à nous. La Bible déclare que nous sommes comme des étrangers et des passagers. Étrangers, ça veut dire que nous ne venons pas d'ici. Passagers, ça veut dire que nous ne restons pas ici. Si donc vous voulez vous en sortir ici, mais avec le titre, avec le nom de chrétien, avec le nom d'enfant de Dieu, il faut que vous appreniez certaines choses qui constituera une manière de vivre pour vous, pour que vous puissiez vous en sortir. Sinon, ça ne sera pas possible que vous puissiez vaincre. J'aime bien dire que vous ne pouvez pas réussir dans le monde avec les mêmes armes que les hommes du monde, alors que vous êtes un fils du royaume. Ce n'est pas possible. C'est tenter l'impossible que d'essayer de faire ça. Au moins, vous courez les risques, au pire, vous courez les risques de rentrer dans le monde afin de pouvoir vous en sortir. Combien de personnes parmi nous ont déjà dit cette phrase, que quand j'étais dans le monde, ça s'est passé bien, depuis que je me suis converti, il y a eu des secousses, il y a eu des problèmes. Qui ont déjà remarqué ça dans leur vie? Alléluia, il y en a plein, c'est la majorité. Parce qu'il ne peut pas en être autrement. Quand vous étiez dans le monde, vous étiez en accord avec le monde et le monde ne pouvait pas être en désaccord avec vous. C'est comme ça que vous en sortez aisément. Je n'ai jamais connu des échecs dans mes études jusqu'à ce que je me convertisse. Alléluia. Il semble que Jésus va poser problème. Je n'ai jamais connu la faim. Je n'ai jamais passé un jour affamé parce que j'ai manqué jusqu'à ce que je me convertisse. Qui me dit bien amen. C'est comme ça que la Bible le dit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une expérience seulement que nous allons raconter. La Bible dit, vous connaissez vous-même comment est-ce que une fois que vous avez été éclairé, vous avez connu les tribulations. Donc les tribulations ont commencé lorsque vous avez été éclairé. Avant que vous soyez éclairé, vous viviez à l'aise. Qui me dit bien amen. Un chanteur a chanté, Mokilio yo ya bisote. Ce monde n'est pas à nous. Et si donc ce monde n'est pas à nous, il faut que nous puissions être, j'ai envie de dire comme un homme, plus malin que ce monde, lorsque ce monde veut nous engloutir. Les hommes qui ont commencé à bâtir dans le livre d'Esdras
ont commencé à bâtir comme des hommes bien intentionnés. J'aimerais dire que les bonnes intentions ne suffisent pas. Ils ont commencé à bâtir comme des hommes qui ont plein de volonté. J'aimerais dire que la bonne volonté que tu as ne suffit pas. Ils ont commencé à bâtir comme des hommes qui faisaient une bonne œuvre. J'aimerais dire que le fait que la chose que tu fais, ou bien l'initiative que tu prends est une bonne chose, ne suffit pas pour que tu puisses réussir. Il y a plusieurs au milieu de nous qui ont commencé à faire des bonnes choses et qui sont vus échouer dans les bonnes choses qu'ils ont commencé à faire. Pourquoi? Parce que le monde est contre toi dans tout ce que tu es en train de faire. Et si toi tu n'as pas de secours, bien de solides fondements, tu ne peux pas tenir face au monde. Le monde est plus grand que toi. Alléluia. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu qui espère au succès, à la victoire dans la vie et dans tout ce qu'il fait, il doit fonder sa vie prophétiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, fonder sa vie prophétiquement, ou bien bâtir sa vie, vivre sa vie prophétiquement? Ça veut simplement dire vivre sa vie sur les paroles de Dieu ou sur la parole de Dieu. Fonder sa vie sur ce que Dieu dit. Chaque homme que vous voyez faire quelque chose a confiance en une chose qui le soutient dans ce qu'il fait. Si vous voyez une personne s'engager à faire la médecine, par exemple, c'est souvent qu'il avait des bons points à l'université, plutôt aux humanités, et il s'est dit, je peux me permettre ça. Si tu le vois aller en politique, il se croit intelligent pour oser faire ça. Parce que la plupart des autres vont dire que ce sont des études trop difficiles. Chaque personne qui fait quelque chose, prend une initiative, se fonde toujours sur quelque chose. Quand tu te réveilles le matin, si tu mets ton pied à terre, c'est parce que tu as confiance au sol. Quand tu prends le taxi, inconsciemment ou consciemment, tu as confiance au chauffeur. On est toujours fondé sur quelque chose pour faire quelque chose. On a toujours un soupassement. Mais la parole de Dieu, Jésus, déclare que celui qui écoute et met en pratique les paroles que je dis ressemble à un homme qui a bâti sa maison sur un rocher. Pourquoi? Parce que la parole qu'il a écoutée et à laquelle il a obéi devient pour lui le fondement sur lequel il fait les choses qu'il fait. Pourquoi est-ce qu'il agit? Il agit parce que Dieu a parlé. Alléluia. Ainsi donc, si quelqu'un entend la voix de Dieu et vit selon ce qu'il a entendu, cette personne-là devient prophétique. Et cette personne-là devient prophétique parce qu'il a pris sa vie et il a décidé de la bâtir sur ce que le Seigneur a dit. C'est comme ça que la vie de cette personne-là ne peut pas du tout connaître des défaites. Pourquoi? Jésus de Nazareth l'a dit. Il a dit, le vent a soufflé. La mer s'est levée, mais il a subsisté. Ça veut dire que quand vous bâtissez quelque chose, vous devez savoir que les vents vont souffler. Les mers vont se lever. La subsistance de votre chose dépend donc de sa solidité, de la consistance de sa fondation. Il ne faut jamais penser, je l'ai déjà dit dimanche passé, permettez-moi de le répéter, il ne faut jamais penser que vous allez vous la couler douce, que vous pouvez bâtir quelque chose qui ne subira jamais les assauts de ce monde. Il ne faut jamais réfléchir comme ça. C'est une erreur. Il ne faut jamais penser que le monde vous laissera en paix à faire vos trucs, à faire votre vie. Il ne faut jamais réfléchir comme ça. Alléluia. Nous sommes dans un monde qui est dans le péché. Nous sommes dans un monde rempli des hommes et des femmes méchantes. Regardez comment est-ce que les commentaires qu'il y a parfois sur les Facebook. Regardez comment les gens réagissent. C'est derrière un écran, personne ne le voit. Donc il peut montrer sa vraie nature là-bas. Et vous allez voir que les gens sont méchants quand on ne sait pas le voir en direct. Ils ont un sourire aux lèvres quand vous les voyez en face. Mais ils sont méchants s'ils peuvent vous parler sans que vous puissiez avoir à les atteindre directement. Parce qu'au fin fond de nous, le cœur est mauvais. Alléluia. Même ton ami avec lequel tu marches, il doit faire un effort lorsque toi tu es élevé de ne pas être jaloux. Toi-même, tu sais que tu dois faire un effort quand ton frère, ton ami, ton proche là s'élève. Tu fais un effort pour ne pas être jaloux, n'est-ce pas? Alléluia. Tu ne peux pas t'enregistrer juste comme ça. Non, il faut que tu aies une certaine conscience que je ne dois pas être jaloux. Je dois être content et tu règles ça volontairement. Ça ne vient pas naturellement. Pourquoi? Parce que dans cette nature ici, on est mauvais. L'apôtre Paul dit, il n'y a rien de bon en moi. Ainsi donc, si vous êtes en train de bâtir une chose par votre propre énergie, propre initiative, vous êtes en train de confronter un monde qui vous ressemble à vous-même. Vous savez vous-même comment ça vous fait quand l'autre est élevé. Vous savez vous-même
Comment est-ce que vous réagissez lorsque les autres, face aux autres personnes qui ont des choses que vous n'avez pas? Et vous ne pouvez pas penser que les autres sont différents de vous. Non, ils sont exactement comme vous. Vous faites des efforts, mais ils ne le feront pas forcément. Alléluia. Tu peux faire un effort de soutenir celui qui est élevé, mais l'autre ne fera pas forcément l'effort de te soutenir quand tu seras élevé. Ça, ce n'est qu'une attaque des hommes. Mais derrière les hommes qui ne sont que des marionnettes, il y a l'esprit du mal qui opère, qui travaille et qui ne laissera pas des bonnes choses subsister. C'est ce qui arrive à Zorobabel et à Josué. Leur initiative ne dérange personne. Ils veulent simplement rebâtir un temple, rebâtir une ville. Mais il y a des gens qui s'élèvent. Si vous lisez tout le début, à partir du chapitre 3, vous allez voir que ces gens-là qui s'élèvent contre Zorobabel et Josué sont venus d'abord demander à contribuer pour bâtir. C'est comme ça qu'ils sont venus. Ils ont dit, nous voulons nous aussi vous aider à bâtir. C'est tout simplement parce que Josué et Zorobabel ont refusé leur aide qu'ils sont devenus des ennemis. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que le cœur est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Et si donc vous voulez aller plus loin dans le monde, enfant de Dieu, vous devez apprendre à réglementer votre vie jusqu'à ce que tout paramètre de votre vie soit bâti sur le rocher qui est la parole de Dieu. Qui me dit amen. C'est la seule chance, permettez-moi de parler comme un homme, c'est la seule chance que vous avez de vous en sortir dans cette vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est de fonder votre vie sur ce rocher qui est la parole de Dieu. Sinon, vous allez finir par être emporté dans ce monde. Oui, il y a ceux qui sont des enfants de Dieu, mais qui sont en train de subir des problèmes, des condamnations, qui sont emportés tout simplement à cause d'une vie vécue en dehors de ce que Dieu dit, à cause des décisions prises sans considérer la volonté de Dieu, à cause des choix faits sans pourtant consulter le Seigneur. Ils sont emportés à cause de ça. Un adage africain ou quinois, je ne sais pas, dit que la bouche de l'homme adulte sent mauvais, mais elle parle de la sagesse, elle fait jaillir la sagesse. C'est un peu la même chose avec la parole de Dieu. Parfois, quand elle vous est dite comme ça, vous ne la comprenez pas, vous n'en saisissez pas, vous n'en cernez pas le sens. Mais pourtant, la sagesse est là à l'intérieur. Il arrive que le Seigneur vous interdise, non, pas ici. Mais vous ne comprenez pas en quoi est-ce que c'est mauvais d'être ici. En réalité, c'est ça la sagesse divine. Plus tard, nous allons en avoir les conséquences ou bien les effets. Il faut que vous deveniez des hommes, des enfants de Dieu, qui apprennent à aimer ce que Dieu leur dit, qui voient en ce que Dieu leur dit le bonheur, qui n'ont jamais dans leur bouche la phrase qui déclare « Non, Seigneur ». Qui me dit bien « Amen ». Si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude de résister à ce que le Seigneur dit, de penser que vous êtes capable de concevoir quelque chose par vous-même, vous allez finir par être déçu sous le soleil. Mike, tu peux diminuer? Quelqu'un me dit bien amen. Si ce n'est pas sur la parole de Dieu que votre vie est fondée, votre vie est en danger. Ici, sur la terre. La terre est dangereuse, frère. Si votre vie n'est pas fondée sur la parole de Dieu, alors votre vie est en danger. Si votre fondement c'est autre chose que la parole de Dieu, votre vie est en danger. C'est cette vie prophétique à laquelle la Bible nous appelle lorsqu'il dit marcher par l'esprit. Pourquoi est-ce que nous accomplissons les œuvres de la chair facilement? Parce qu'il y a plusieurs choix qui n'ont rien à voir avec les œuvres de la chair que nous faisons, que nous avons fait simplement parce que nous avons trouvé que c'était bien, n'ayant pas écouté le Seigneur nous dire non, par exemple. Ou bien lorsqu'il nous a dit non, nous n'avons pas obéi. Qui me dit bien avec? Quand je n'ai pas écouté Dieu, ce n'est pas un problème. Mais si j'ai écouté Dieu et que je lui ai résisté, je suis dans la merde. Qui me dit bien avec? Je suis dans la merde, frère. Il m'arrive parfois de connaître des défaites, des échecs. Et je ne blâme pas Dieu comme ça dans vous. Non, pourquoi le Seigneur n'agit pas? Non, je sais que là-bas, je ne l'avais pas écouté. J'accepte seulement ma défaite. C'était prévisible. Ça aurait été une grosse chance que j'ai réussi. Quelqu'un me dit bien amen. Pourquoi? Parce que je n'aurais pas en ce moment-là fondé ma vie sur la parole de Dieu. Pierre déclare, toute la nuit nous avons péché, nous n'avons rien attrapé. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et lorsqu'il a placé son activité sur la parole de Jésus, ce jour-là, il a eu les poissons.
Ce n'était pas comme ça ordinaire. Il avait péché comme ça ordinairement depuis longtemps. Mais il est arrivé un jour où la tempête s'est levée sur son activité. C'était calme jusqu'alors. Ensuite, la tempête s'est levée sur son activité. Et en ce moment-là, il n'y avait que la parole de Dieu pour restaurer sa maison. Quelqu'un me dit bien, amen. Si vous ne vivez pas ainsi, vous ne vivez pas prophétiquement. Et si vous ne vivez pas prophétiquement, vous n'avez pas l'espérance de vaincre sur la terre. Apprenez à mettre votre vie pas sur un autre fondement que la parole de Dieu. Je disais que tout le monde que vous voyez faire quelque chose fonde sa vie sur une sorte de base. Il y a quelque chose à la base. Quand vous le voyez faire quelque chose, il y a quelque chose au fond. Un autre adage qui nous a dit, si vous voyez un petit un poussin gonflé dans la marmite, c'est que sa maman est en dessous. Il ne peut pas le petit poussin gonflé seul dans la marmite. Si vous le voyez gonflé, c'est qu'il y a sa maman en dessous. En d'autres termes, si vous voyez une petite personne, une personne qui semble pourtant insignifiante, moins forte, moins belle, moins courageuse que vous, qui ose des choses que vous n'oseriez pas, ou bien qui ose vous affronter, pour que vous sachiez qu'il y a quelque chose derrière lui. À Kinshasa, il y avait une commune où il y avait des Kuluna, et parfois ils envoyaient un petit garçon en cours de route, et le petit garçon te menaçait. Il était vraiment plus petit que toi. Okay. Tu sais bien qu'il ne verrait pas le poids devant toi. Mais en réalité, pendant qu'il est en train de te menacer comme ça, il y a ses yeux qui sont cachés. Qui me dit bien, mère. Alors, tout le courage que tu vois ce petit-là avoir, ce n'est pas à cause de ses muscles. Il a un fondement. Alléluia. De la même manière, les hommes sont ainsi. Quand tu vois quelqu'un très sûr de sa réussite dans les études, on dit qu'il en prie pour les études. Non, il ne vient même pas. Alors, on le traite comme ça. Ah, okay, ça va venir. C'est naturel. Je n'ai même pas besoin de Dieu pour ça. Quand vous le voyez comme ça, d'où vient sa force? Il a un fondement. C'est qu'il a confiance à son intelligence. Il sait que son intelligence l'aide toujours. Il s'en est toujours en sortie. Il a même la confiance en les relations qu'il a là à l'université. Donc il faut faire attention. Chaque personne qui fait quelque chose avec un certain zèle a un fondement quelque part. Mais pour un enfant de Dieu, tout autre fondement est dangereux. Tout autre fondement est sujet à la destruction et surtout à la honte pour un enfant de Dieu. Parce que tous les autres fondements qu'il y a ici sur la terre, le diable a une mainmise dessus. Qui me dit bien, amen. C'est comme ça que même la Bible vous dit, ne vous confiez pas en l'homme. Pourquoi? Le diable a une mainmise sur les hommes. S'il veut que ton papa, là, qui te soutient souvent là, puisse changer et ne plus comme ça se soigner, il peut le faire. Si le cœur de ce papa-là n'est pas à Dieu, il peut le faire. Alléluia. Il peut bloquer là-bas. S'il veut, il peut le faire. Donc, si toi tu places ta confiance là-bas, il faut savoir que le diable tient quelque part ta vie. Dans un endroit. À un moment ou à un autre, il tient ta vie. Parce que tu t'appuies sur quelque chose que lui, il contrôle. La seule chose que le diable ne contrôle pas, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu l'a formé même lui. C'est la seule chose qu'il ne peut pas contrôler. C'est pour ça que la Bible déclare, il n'y a pas d'autre rocher. Il n'y a que lui. Vous pouvez voir beaucoup de rochers, mais la Bible vous dit, pour vous, il n'y a pas d'autre rocher que l'Éternel. Ailleurs, partout d'ailleurs, vous pourriez bien faire vos calculs, vous pourriez bien tout arranger, tout planifier. Mais si ce n'est pas sur le Seigneur que vous fondez pour arriver à la victoire, vous êtes en danger. Il y a des choses qui vont se passer que vous ne contrôlerez pas. Je suis sûr que Josué et Zorobabel étaient très motivés par leur travail lorsqu'ils étaient en train de travailler. Mais leur motivation n'a pas suffi à faire pérenniser le travail. Il fallait que les prophètes prophétisent. Alléluia. Parfois, ce qui manque à ta vie pour qu'elle puisse atteindre une certaine stabilité, ce ne sont pas plus de relations, plus d'argent, c'est plutôt plus de paroles de Dieu sur toi. Il faut que tu apprennes à commencer à dire à Dieu, mais pour cette situation, qu'est-ce que tu dis en réalité? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut qu'il arrive dans ton cœur la sainte peur, la sainte crainte de faire des choses là où le Seigneur n'est pas. Il y a un homme de Dieu qui a fait cette prière, il dit, Seigneur, ne me laisse pas toucher ce que tu ne touches pas. Ne me laisse pas faire ce que tu ne bénis pas. Qui me dit bien, amen. Alors même quelle que soit la splendeur que ça donne en apparence, ne me laisse pas le faire. Parce que je sais que tout peut basculer.
voyez comment est-ce que la vie de Lot a basculé. C'est qu'il a, il a jugé intellectuellement, il a jugé intelligiblement, et il s'est dit que non, aller là à Sodome, ça sera bien pour mes brebis, ça ressemble à un jardin de Dieu. Mais le diable tenait Sodome par le cou. Qui me dit bien, mais il le tenait par le cou. Et pour ruiner Lot, le diable n'a fait que augmenter la colère de Dieu sur tous les sodomites et les gomoréens. Qui me dit bien, mais en augmentant cela, ça suffit. Ça suffit pour que la colère s'abatte et que Lot soit ruiné. Donc là où tu voyais la fortune, là, c'était en réalité un sursis à la ruine. Telle voie paraît droite aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. La seule assurance que vous avez, c'est dans ce que Dieu vous dit. Qui me dit bien, amen. C'est pourquoi je dis souvent à mes frères ici, je dis que peut-être que de temps en temps, je vous parais bien courageux, bien décidé, bien déterminé, mais en réalité, je ne suis pas comme ça. Je sais que naturellement, je suis procrastinateur. Naturellement, je suis peureux. Naturellement, je suis timide, réservé. Je ne deviens zélé que lorsque j'ai entendu le Seigneur. Là où je sais qu'il a parlé, je me fous du reste. Qui me dit bien, amen. Je ne deviens que têtu à cause de ça. Il y a un concept hébreu qu'il donnait, et donc il donnait aussi à leurs enfants comme nom. Ce concept-là, c'est Ouziel. Ouziel, ça veut dire ma bravoure ou bien mon zèle me vient de Dieu. Qui me dit bien, amen. C'est un peu le contraire de Ouza. Ouza, ça veut dire je suis zélé. Okay. Vous connaissez Ouza dans la Bible? Donc, dans son zèle, il a voulu faire quelque chose même pour le Seigneur et ça lui a amené la mort. Je pense que son nom a peut-être un sens prophétique sur l'acte qu'il a fait. C'est différent de ça. Ouziel, ça veut dire que si vous me voyez que je suis brave, ma bravoure me vient de l'Éternel. On demandait d'où te vient l'autorité de faire ces choses. Jésus de Nazareth savait, l'autorité me vient du Père. Il a fondé sa vie sur ça. Alléluia. Et quand on vous dit dans les prédications, vous voyez dans les messages, on dit que non, un homme prophétique, ce n'est pas un homme qui prophétise. Un homme prophétique, c'est celui qui vit selon les paroles de Dieu. C'est une personne dont la vie est animée par ce que le Seigneur dit. Et lorsque tu commences une vie prophétique aujourd'hui, le Seigneur va t'emmener à faire un tout petit pas. La plupart d'entre nous s'arrêtent là-bas. Ils ne font même pas ce premier pas-là parce qu'il est trop petit. Si vous ne faites pas ce premier petit pas avec le Seigneur, c'est fini. Le Seigneur se retire de vous. Jusqu'à ce que votre conscience revienne encore et que vous reveniez à lui. Mais quand vous allez faire ce petit pas-là, ça ne voudra pas dire que toute votre vie est devenue prophétique. Pas encore. C'est un simple domaine où le Seigneur teste votre obéissance. Et de ce pas-là, il va vous emmener d'un pas à un autre jusqu'à ce que tous les paramètres de votre vie vont devenir des paramètres prophétiques. De sorte que vous savez que là où vous êtes, les relations que vous avez, le contact que vous avez, le travail que vous faisiez, tout est devenu prophétique. Tout a un fondement sur ce que Dieu a dit. Parce que partout où vous n'êtes pas sûr de ce que le Seigneur veut, alors vous n'êtes pas sûr de vaincre du tout. Qui me dit bien, amen. Là où vous doutez encore, c'est de quoi, qu'est-ce que Dieu pense, quelle est la volonté de Dieu. Là où vous doutez de ça, alors vous pouvez aussi être douteux de votre succès. Parce que votre vie n'est pas fondée sur la parole de Dieu. La Bible déclare, Matthieu 5, 5, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas que le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est Jésus qui le dit à Satan, c'est une parole de Deutéronome. L'homme ne vivra pas que le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand le Seigneur est en train de dire que l'homme ne vivra pas que le pain, il reconnaît que l'homme est corps, âme et esprit. Et il sait que pour faire vivre le corps, il faut de la nourriture. La parole de Dieu seule ne suffit pas pour faire vivre le corps. C'est comme ça que Jésus enseignait, prêchait, et il arrive maintenant, il se rend compte qu'il a donné la nourriture spirituelle, mais il n'a pas nourri les gens qui le suivaient pendant des jours. Il se rend compte que non, je peux continuer à les enseigner, mais je vais finir par enseigner des cadavres, parce que leurs corps vont mourir. Leurs esprits resteront enseignés pour aller peut-être au ciel. Alors il s'est dit, il faut que je puisse trouver la nourriture. Il savait ça, que pour faire vivre le corps, il faut de la nourriture. Donc si toi tu dis que non, la parole va me faire vivre, je vais jeûner 500 jours, okay? La parole va me faire vivre, tu vas aller vivre auprès du Seigneur, okay? Dans ton jeûne. Hein? Bien sûr, à moins d'un miracle, n'est-ce pas? Le Seigneur sait ça, c'est comme ça qu'il dit, l'homme ne va pas que le pain. Il voit l'homme c'est aussi le corps. Mais l'homme, c'est aussi son âme et c'est aussi son esprit. Et ce qui arrive à affecter son esprit arrive à affecter son âme
de son corps, d'une certaine manière. C'est comme ça qu'il dit, l'homme ne voit pas que le pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, l'homme qui s'attache seulement à vivre du pain, c'est un homme qui ne pense qu'il peut vivre que par des moyens naturels et matériels, par les jugements humains, il pense qu'il peut vivre. Il ne comprend pas que la parole de Dieu est le fondement qui doit faire vivre un homme qui devient spirituel. Un homme qui est devenu spirituel, s'il se prive de la parole de Dieu, il se prive de nourriture. Et vous connaissez les conséquences dans le corps quand vous vous privez de nourriture. C'est la même conséquence lorsque vous vous privez de la parole de Dieu. Je pense que nous sommes ici en bonne santé, la plupart d'entre nous, mais peut-être maigrichons si on pouvait nous montrer nos esprits. Ceux qui sont en bonne santé physique, bien habillés physiquement, mais nus spirituellement, maigres spirituellement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas nourris de la parole de Dieu. Or, si votre esprit n'est pas fort comme ça, comment pourriez-vous tenir dans ce monde où le prince de l'air, la puissance de l'air est en train de dominer ? Ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'il va vous priver même la nourriture que vous devez manger. Physiquement. Parce que vous n'avez pas un bon fondement. Votre vie, si elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu, elle n'a pas de chance de survivre sur cette terre. Alléluia. En tout cas, pas en tant qu'un homme spirituel. C'est pour ça que c'est écœurant lorsque nous voyons des enfants de Dieu qui n'ont pas la soif de la parole de Dieu, qui n'aiment pas la parole de Dieu, qui ne l'aiment pas autant qu'ils ont pendant des années de foi leur Bible en main, mais ne font pas de recherche dessus. Jésus de Nazareth disait des gens de son époque, il dit, vous sondez les Écritures pour en connaître les sens, elles parlent de moi. Il y avait des gens de son époque qui sondaient les Écritures. Mais c'est un verbe que la plupart d'entre nous ne pourra pas utiliser pour les Écritures. Sonder les Écritures. En médecine, vous savez, sonder, ça veut dire quoi? C'est entrer dans les espaces creux de l'organisme. Là où les choses qui sont superficielles n'arrivent pas. On introduit une sonde pour regarder dans son estomac, pour regarder dans son tube digestif. Ça veut dire qu'il y a des personnes au temps de Jésus qui entrait dans les profondeurs des Écritures. Il voulait connaître le sens profond, connaître le secret qu'il y a dans la parole de Dieu. Il trouvait dans la parole de Dieu une richesse. Ce n'était pas pour eux une négligence. Une chose à négliger plutôt. Mais nous ne pouvons pas dire autant de nous. Et nous sommes étonnés de ne pas être forts. Si nous ne sommes pas forts, c'est parce que nous sommes des hommes spirituels, mais qui ne nourrissent pas leurs esprits. Et cela affecte nos âmes, cela affecte nos corps. Qui me dit bien amen. Il y a certaines maladies dont vous allez triompher, pas par une imposition de main, mais parce que vous aurez augmenté votre croissance et votre niveau spirituel. Et elle s'en ira. C'est ce qu'elle attend, cette maladie. Que vous deveniez un peu plus fort. Sinon, vous n'aimez pas la parole de Dieu, vous n'aimez pas votre vie. Parce que la parole de Dieu est devenue votre vie. Celui qui n'aime pas la parole de Dieu ressemble à un arbre qui n'aime pas ses racines. C'est de là qu'il tire sa vie. Et c'est en fondant votre vie sur cette parole-là que vous avez l'espérance de vaincre. Écoutez ce que les psaumes disent. Dans le psaume 119, trois fois, il y a cette phrase qui se répète. Au verset 25, il est écrit, « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. » Voyez, vous avez une vie qui est selon la parole de Dieu. Mais jusqu'à ce que vous atteigniez cette vie-là, votre âme, ou bien votre vie actuelle, votre réalité actuelle, est attachée à la poussière. Il dit, rends-moi la vie selon ta parole, parce que dans ta parole, il y a des choses qui ont été dites sur moi. Il y a des choses qui me décrivent. Mais je ne suis pas encore comme ça. Rends-moi la vie selon ta parole. Sinon, tu ne connais pas comment ta vie doit être selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux avoir de Dieu? Parce que la vérité, c'est que même la prière ne consiste pas à demander à ce que Dieu accomplisse sur toi ta volonté. La prière est efficace lorsque quelqu'un sait ce que Dieu veut pour lui et il le demande à Dieu en lui réclamant. Qui me dit bien amen. Parce que penser, concevoir que la prière, c'est demander à ce que Dieu fasse ma volonté, c'est concevoir que la volonté de Dieu ne connaît pas le meilleur pour moi. C'est ma volonté qui connaît le meilleur pour moi. Mais quand vous comprenez que c'est la volonté de Dieu qui connaît le meilleur pour vous, votre plus haute, votre meilleure prière consiste tout simplement à demander à Dieu d'accomplir sa volonté dans votre vie. Tu peux demander quoi à Dieu? Tu peux demander que Dieu t'accorde de l'argent, par exemple, de la richesse, par exemple. Vous pensez que ça veut dire que
que Dieu n'avait pas de plan de t'enrichir plus que toi-même, tu as des plans de t'enrichir. En le terme, les plans que tu as pour toi-même sont meilleurs que ceux de Dieu. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça que cet homme ici, en priant, il dit « Restaure-moi » ou bien « Rends-moi la vie » selon ta parole. Au verset 28, toujours du même psaume, il est écrit « Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. » Il y a quelque chose dans ta parole pour moi. Il faut que tu me relèves, que j'arrive là-bas. Plusieurs d'entre nous, nous vivons selon un standard de vie, mais qui n'est pas celui de la parole de Dieu pour nous. Notre vie n'est pas prophétique en ce moment-là. Nous sommes en train de vivre la réalité de notre époque et de notre race, mais pas ce que Dieu dit de nous. Le verset 107 déclare « Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. » Donc pour cette personne ici, pour n'importe quelle situation où il est abaissé, il n'a besoin de rien d'autre que qu'une vie qui correspond à ce que Dieu a dit sur lui. Parce que ce n'est que là qu'il peut se sentir en sécurité. Toute autre élévation qui n'est pas selon la parole de Dieu est un souci à la chute. Mais dis bien amen. Aujourd'hui, semblant être victorieux, mais si ta victoire n'est pas fondée sur le Seigneur, c'est un souci pour perdre, pour la défaite de demain. Si donc il y a une préoccupation que nous devrions avoir, c'est celle de se dire, je veux que tous les paramètres de ma vie soient fondés sur le Seigneur. Qu'ils soient fondés. Ce n'est pas question de beaucoup connaître, de connaître comment Dieu parle et tous ces principes, pas du tout. C'est question de soumission, c'est question d'abandon, c'est question d'obéissance, c'est question d'acceptation. C'est question de se dire, je le veux vraiment. Pas en faisant semblant. Parce qu'il y a plusieurs moments qui faisons semblant. Nous voulons écouter Dieu, mais ensuite quand il parle, on commente ce qu'il a dit. C'est un cas assez fréquent. Tout le monde veut que Dieu parle. C'est comme ça qu'il y a certains Dieu ne parle pas carrément. Parce que c'est un gâchis. Mais bon, attends, je ne sais pas pourquoi il a quand même le temps de parler. Peut-être qu'il veut se justifier plus tard. Il voulait que Dieu puisse parler. Maintenant, Dieu a parlé, la parole là, ça ne lui plaît pas. Oh, parle, non? Je parle. Oh, ce que tu dis là maintenant, ça ne lui plaît pas. Tu voulais que je parle? Alléluia. En d'autres termes, vous ne voulez pas vraiment fonder votre vie sur la parole de Dieu. Fonder sa vie sur la parole de Dieu ou bien être prophétique, ça ne veut pas simplement dire recevoir une prophétie. Pas seulement. Alléluia. Pas seulement. Je suis sûr qu'un homme peut passer toute sa vie sans recevoir une prophétie. Okay? Même s'il est enfant de Dieu. C'est possible. N'est-ce pas qu'une personne peut passer toute sa vie sans entendre la voix de Dieu? De ses oreilles. Une voix audible. N'est-ce pas? C'est un canal. C'est-à-dire que tout autre canal aussi, c'est possible. Alléluia. Un homme peut vivre toute sa vie sans lire sa Bible. Mais il croit en Jésus. N'est-ce pas? Eh, frère, la Bible a commencé après l'Église. L'Église a existé avant la Bible. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui ont existé avant qu'il y ait la Bible. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est qu'un canal. Alors, je ne veux pas vous fixer, vous cloîtrer dans un canal donné. Je veux vous plutôt vous exposer à toutes les possibilités que vous avez à entrer en contact avec la parole de Dieu, quand vous le pouvez. Moi, le moyen le plus facile que j'ai, c'est à ma portée, c'est dans ma chambre à coucher, c'est ma Bible. Qui me dit bien, amen. Je n'ai pas besoin de me demander est-ce que ce prophète-là ou bien cet homme de Dieu-là, ce pasteur-là, il est vraiment de Dieu? Est-ce qu'il ne fait pas des scandales aussi à côté, comme ce qu'on a entendu? Je n'ai pas besoin de ça avec la Bible. La Bible, c'est la Bible. Je peux lui faire confiance. Alléluia. C'est le même là que Paul a dit, que moi aussi je suis en train de lire. Je peux lui faire confiance. C'est un moyen aisé que j'ai de recevoir ce que Dieu veut. Quand cet homme est en train de prier en disant « Rends-moi la vie selon ta parole », c'est qu'il a lu la parole. Il a vu la vie que la parole lui réserve. Quelqu'un me dit bien, mais on est esclave lorsqu'on n'a pas encore connu ce que la parole nous réserve. Vous êtes esclave de votre réalité. Et ce n'est pas par une prophétie seulement qu'on connaît ça. Non, je vois dans les Écritures ce qui est réservé pour moi. Et je me bats pour que, dans la prière et dans la foi, que le Seigneur me rende la vie selon ce qui est écrit pour moi. C'est ça, fonder sa vie sur la parole. Si on te demande pourquoi tu cherches telle chose, plusieurs ne peuvent pas donner un argument venant de Dieu pour lequel ils sont en train de chercher quelque chose. Pour toute ou n'importe quelle intention de prière que je puisse adresser à Dieu, j'ai un argument venant de Dieu lui-même. Soit par une prophétie, soit par une vision, soit par un son, soit par une écriture. Je peux lui dire pourquoi je lui demande ça. Parce que sa parole a réservé ça pour moi.
En d'autres termes, lorsque je prie, je ne demande rien d'autre à Dieu que de placer ma vie sur le fondement de ta parole. Rends-moi, je suis dans la poussière. Ce n'est pas comme ça que ta parole a dit. Rends-moi la vie selon ta parole. Je suis encore pauvre. Ce n'est pas comme ça ta parole que ta parole me décrit. Rends-moi la vie selon ta parole. C'est ça la prière qui a des résultats. C'est comme ça que vous devez vivre. Un homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on comprend très bien ce que cela veut dire? On comprend que Dieu, Jésus, compare le pain à la parole de Dieu. Mais le pain, vous en avez chaque jour. La parole, vous n'en avez pas chaque jour. Vous n'en avez que le dimanche quand vous est donné de venir à l'église. Les jeudis, si vous êtes parmi les rares à venir le jeudi. Ou le mardi, si vous êtes parmi les rares à venir le mardi. Mais pour le reste, il n'y a pas de pain. Vous avez des jeûnes spirituels. Mais vous ne jeûnez pas physiquement. Oui, c'est jeûner de la parole de Dieu. En fait, quand vous jeûnez spirituellement, quand vous jeûnez charnellement, ça vous donne quelle puissance? Spirituel. Quand vous jeûnez spirituellement, ça vous donne quelle puissance? Charnel. C'est comme si vous êtes charnellement puissant. Quand il s'agit de faire le péché dans la chair, là, faites bon. Parce que vous jeûnez. Alléluia. Et c'est ces jeûnes-là qui détruisent votre vie. Vous êtes privé de la parole de Dieu. Vous êtes maigrichant spirituellement. Vous ne pouvez pas tenir face à ce monde ici, comme ça. Ce n'est pas possible de faire. Toute personne qui veut vivre pieusement sera persécutée. Même dans cette persécution-là, toi, tu n'as pas le fondement. La persécution, c'est les vents et la tempête dont Jésus parle. Tu n'es pas fondé dans la parole. Frère, tu vas être emporté. Il ne faut pas s'étonner. Et ce frère-là, il priait, il ne vient plus. Ce n'est pas étonnant, frère. Ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas que Dieu l'a abandonné. Il a abandonné Dieu. Il ne l'a pas abandonné le jour où vous ne le voyez plus. Il l'a abandonné depuis longtemps. Tout le temps que vous le voyez là, il jeûnait. Il ne prenait pas du tout la nourriture de la parole. Je me souviens, un temps, j'ai mangé très mal. J'étais étudiant. Et un jour, le vent a soufflé, le vent des catarrhes ici. Ça soufflait, j'ai senti comme si je me suis déplacé. Alléluia. Mais ce n'était pas le travail d'un jour. Ce n'était pas la fin d'un jour qui fait ça. C'est en fait toute une année, en temps de mal manger, qui produit de tels résultats. C'est la même chose avec la parole. C'est que vous faites une longue période de temps dans votre marche où vous négligez la parole de Dieu. En conséquence, vous êtes en train de maigrir. Et le diable, lui, il est très intelligent. Il calcule la vitesse du vent et la masse de la personne. Quand il voit que voilà, c'est devenu proportionnel, il envoie le vent là qui va t'emporter. Quelqu'un me dit bien amen. La Bible déclare à propos de Jésus que le diable attendait un jour favorable. Il dit que le diable connaît des jours favorables. Il connaît ça. Et c'est vous qui lui donnez accès. Pendant ces temps-là, il n'a pas consommé la parole, il n'a pas consommé. Il attend, tout se passe à côté, il attend. Il a tout son temps, n'est-ce pas? Il a commencé à exister depuis le jardin de Papa, jusqu'à aujourd'hui. Et le temps, je pense pas qu'il soit pressé par rapport à sa femme. Il a tout son temps, jusqu'à ce qu'il puisse s'emporter. Tout simplement pourquoi? Parce que tu n'as pas fondé ta vie sur la parole de Dieu. Vivre par la foi, vivre par l'esprit, vivre prophétiquement sont tous des synonymes d'une même chose. Fonder sa vie sur la parole de Dieu. Quand quelqu'un devient têtu, non pas à cause de ce qu'il sait, à cause de ce que les hommes lui ont promis, mais à cause de ce que Dieu lui a dit, cet homme-là est devenu prophétique. Quand un homme puise sa joie, non pas de ce que les hommes lui ont dit, de ce que l'avenir lui réserve des biens apparemment, cet homme-là est devenu prophétique. Il a fondé sa vie sur la parole de Dieu. Il est devenu un douzième. Son audace-là lui vient de Dieu. Sa rage, sa vivacité lui vient de Dieu. Il croit en Dieu. Qui me dit bien amen? Lorsque vous avez l'esprit de foi, l'apôtre Paul dit, par le même esprit de foi, nous aussi, nous avons cru. C'est pourquoi nous avons parlé. Donc quand nous parlons parce que nous avons cru. Pourquoi vous parlez comme ça? Quelle est votre assurance? Qu'est-ce qui vous assure que vous allez subsister, que vous allez réussir, que vous allez vaincre? J'ai cru, c'est pourquoi je parle. Une vie fondée sur ce que j'ai cru. Et ce que j'ai cru vient d'où? Et ce que j'ai entendu de Dieu, frère. Si tu n'as pas entendu de Dieu, si tu n'entends pas de Dieu, si tu ne te stresses pas à entendre de Dieu, tu ne peux pas du tout espérer vaincre avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas derrière toi. Si même vous voyez Dieu suivre quelqu'un, ce n'est pas la personne qui suit. Dieu est en train de suivre sa parole. Alléluia.
La Bible déclare, vous êtes un peuple sur qui mon nom est invoqué. Le nom de l'Éternel, quand il est invoqué sur quelqu'un, Dieu est obligé d'être là-bas. Ça veut dire que la parole de Dieu a été prononcée sur cette personne-là. Il faut que Dieu soit là pour confirmer sa parole dans sa vie. Dieu ne suit pas tout le monde comme ça. Pas du tout. C'est sa parole qu'il suit. Il faut donc que vous puissiez vous examiner aujourd'hui, ce matin, pour vous demander où est-ce que vous en êtes dans votre relation avec la fondation de la maison de votre vie. Quelle est la fondation de la maison de votre vie? Vous croyez en quoi pour que demain vous arriviez à vaincre? Vous croyez en quoi? Je sais que la plupart d'entre nous ici, nous croyons en Jésus pour qu'il nous emmène au ciel. Et ça, on est content de croire en cela parce que nous savons comment est-ce que nous sommes tout le temps en train de rentrer dans le péché. Alors quand tu es dans le péché, tu viens, tu demandes pardon, tu dis heureusement que ça ne dépendait pas de moi, que ça dépend du sang. Et si ça dépendait de moi, et si je suis mal barré. Là, vous êtes content. Mais vous ne comprenez pas que si vous vivez éternellement par l'esprit, vous devez marcher temporairement aussi par l'esprit. Qui me dit bien, mais vous devriez marcher dans ce temps ici par l'esprit. Il faut donc que vous veilliez que le fondement de votre vie, chaque fois que vous mettez un pas, que le Seigneur lui-même est avec nous. Qui me dit très bien, mais il faut veiller à ça. Le Seigneur est avec moi, c'est comme ça que j'avance. Le Seigneur est avec moi, je suis sûr de vaincre. Les gens qui ont mis Josué à leur tête, les enfants d'Israël qui ont mis Josué à leur tête, lui ont dit une phrase que je mets souvent, que je mets beaucoup en prière, surtout quand je suis en retraite personnelle de prière. Ils disent ceci à Josué. Josué, il se présente comme leur chef, sous l'ordre divin, et ces gens-là lui disent, non, il n'y a pas de problème que tu règnes sur nous, que ton Dieu soit seulement avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, nous ici, le peuple ici, on n'attend pas. Moindre problème, on délapide. Que Dieu soit seulement avec toi. Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu es foutu. Avec nous, tu es foutu. C'est ce qu'ils lui disent. Il n'y a pas de problème. Que Dieu soit seulement avec toi. Dans ce monde ici, c'est la même chose. Il n'y a pas de problème pour vivre. Mais que Dieu soit seulement avec toi. Là où il n'est pas avec toi, tu es en danger. Tu ne peux être sûr de rien faire. C'est comme ça que tu vas aller là-bas, tu prends les breuvages mortels, ils prennent les breuvages mortels, toi ça ne marche pas. Parce que là où tu n'es pas fondé sur la parole de Dieu. Tu crois ça et tu meurs et tu rencontres le Seigneur face à face. Qui me dit bien amen. L'autre qu'on est en train d'étudier ici le mardi, je vais commencer à tirer avec ça. Le passage biblique qui déclare que chapitre 8, au tout début, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas? C'est ce que lui s'est dit. Et on a lu d'autres versions qui, en fait, étalent ce que la version grecque originale veut dire. Ces versions-là disent ceci, et même la version anglophone dit ça, dit la même chose, que il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Cette phrase-là que lui s'est dit, là-bas. Alléluia. Ça veut dire que il y a des personnes qui sont en Christ, ou bien j'ai envie de dire, il y a des personnes qui ont Christ en eux, mais qui ne sont pas en Christ. Parce que vous demeurez en Christ lorsque vous vivez selon l'esprit et non selon la chair. Si vous commencez à marcher selon la chair, vous sortez de Christ, même si Christ n'est pas sorti de vous. Quelqu'un m'a dit amen. Quelqu'un a dit que ah, pasteur, je suis à ma profondeur, je suis à la ville. On nous a dit seulement, Christ ne va pas nous quitter, nous aussi on ne va pas quitter Christ. C'est pas le cas, même Jésus même il n'enseignait pas ça. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez en moi. Ça veut dire que si vous ne gardez plus, vous faites quoi? Vous sortez, frère. Alléluia. La porte que Christ est n'est pas une porte fermée, ce n'est pas quand vous entrez vous fermer. Dans Jean 10, il dit, les brebis entrent et sortent. C'est-à-dire qu'ils ont la liberté de faire les va-et-vient. C'est ce qu'il dit dans Jean 10. Mais lui, il ne sort pas de vous les brebis. C'est ça qui va vous sauver, n'est-ce pas? La Bible ne dit pas que nous, en Christ, l'espérance de la gloire. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Vous avez l'espérance d'hériter le ciel parce que Christ est en vous. Heureusement. Alléluia. Mais quand vous êtes en Christ, cette gloire-là n'est plus une expérience. Vous vivez cette gloire-là maintenant parce que vous êtes en Christ. Et être en Christ, c'est le travail du quotidien. Et être en Christ, c'est cela, maintenir sa vie sur le fondement de la parole de Dieu.
la pratiquer, c'est décider que c'est ça le filigrane de mon existence. Je vais vivre selon elle. Et parfois, il faudra que vous fassiez des efforts, résister à votre réalité présente, mais fondez votre vie sur la parole de Dieu. Si vous commencez à bâtir et à bâtir et à bâtir, mais que vous ne considérez pas le fondement de ce que vous êtes en train de bâtir, vous n'allez pas bâtir jusqu'à la fin. Il y a des vents qui vont souffler, ils vont vous emporter, et vous n'allez pas survivre. Alléluia. Le Seigneur est un Dieu qui rebâtit même sur les anciennes ruines. Pourquoi? Parce que les anciens qui sont les ruines, là, il a parlé aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Les ruines qui existaient avaient laissé place aux fondations. Alors on peut rebâtir là-bas. Mais si les fondations ne sont pas là, le Seigneur ne rebâtit pas. Il ne peut pas rebâtir sur des fondements qui n'étaient pas les siennes. Non, là, il ne rebâtit pas. Là, il doit bâtir. Mais rebâtir n'est possible que sur des fondations qui étaient siennes. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'il y a des secousses dans la vie d'un homme, mais s'il si s'est fondé sur le Seigneur, cet homme-là va encore émerger. Alléluia. Parce que ses fondements sont bons. Si donc vous voulez vivre longtemps ici sur la terre, dans la victoire, dans le triomphe, que vous puissiez être fortifié tout le temps, il faut que vous puissiez vous nourrir de la parole de Dieu. Il y a des passages dans la Bible comme qui disent que je dévore ta parole. Une autre version dit, un autre passage dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais toi, tu ne sers pas la parole, mais tu es donné de pécher. Il n'y a pas de magie. Alléluia. Si j'arrête de prier, j'arrête de méditer la parole de Dieu et que je pêche, je ne vais pas m'étonner. Hein? C'est toi qui t'étonnes devant les pasteurs ou tu n'arrives pas à arrêter. Tu vas arrêter avec quel mécanisme, frère? La chair ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. Mais toi, tu veux faire hériter la chair de l'incorruptibilité. Tu veux que la chair devienne incorruptible par la chair. C'est pas possible. Ce n'est qu'en faisant entrer des choses qui sont de l'esprit que tu peux commencer à vivre par l'esprit. C'est aussi simple que ça. Et ça demande ta volonté pour que tu puisses t'y mettre. Si j'arrête de prier, si j'arrête de me nourrir de la parole de Dieu, je tombe naturellement dans le péché. Il n'y a rien de bon en moi. Tout ce qui est de bon, qui sort de moi, vient de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Il semble avoir attristé plusieurs personnes. De toute façon, les paroles semblent comme ça, que vous ne faites pas alors qu'on vous amène des révélations très graves là que vous allez oublier à quelques heures seulement de la prière. Mettez la parole au centre de votre vie. Ne déconsidérez pas la parole. Le diable voudrait bien ça. Il voudrait bien que vous puissiez faire tout ce que vous voulez et ne pas du tout considérer la parole. Il peut même vous laisser vous élever à un certain niveau, vous écartant de la parole de Dieu pour que votre chute soit spectaculaire. Il peut vous laisser faire ça. Celui qui va plus loin et qui ne demeure pas dans la parole de Christ n'est plus dans le Seigneur. Il n'est plus dans la sainte doctrine. C'est ce que Jean dit. Même si tu vas plus loin, mais il faut que le fondement reste la parole de Dieu. Si tu as déjà changé de fondement, ton plus loin là, ça impressionne les hommes, mais ça impressionne plus Dieu. Alléluia. Fondez votre vie sur la parole de Dieu. Les enfants, vous savez même quand nous témoignons le Seigneur, parfois nous témoignons juste comme ça. Il faudrait, nos témoignages reflèteront vraiment une vie spirituelle lorsque nous commencerons à montrer où est-ce que nous avons reçu la parole, ou bien où est-ce que nous avons compris la parole, et où est-ce que nous sommes allés avec la parole. Et c'est là que nous donnons un témoignage qui glorifie Dieu, qui ne glorifie pas nos prières, qui glorifie Dieu. Qui me dit bien amen. C'est pour ça qu'on glorifie le Seigneur. Il y a une femme pour qui j'avais prié et qui avait reçu un enfant. Et voici ce qu'elle me disait. Elle me disait que j'avais prié pour elle, elle est partie. Elle me disait que non, j'étais en train de prier moi-même depuis que vous m'avez laissé, parce que son mari ne prie pas vraiment. J'étais en train de prier moi-même et j'étais en train de dire, Seigneur, je ne veux pas utiliser les médicaments que mon mari m'a achetés, qu'on lui a vendus pour... contre la stérilité. Mais je ne vais pas lui dire. Je ne vais pas lui dire parce que toi, tu m'as dit par ton serviteur. Lui n'a peut-être pas lu la Bible là où c'est écrit comme ça. Non? Et toi, tu as dit à ton serviteur qu'il puisse me dire à moi qu'il n'y aura pas de stérile ni de femmes qui avortent au milieu de toi. J'ai cru en ce que tu as dit là. Maintenant, là, regarde les risques que moi je vais prendre. Si je n'accouche pas ici et qu'il finit par découvrir qu'il y a des médicaments si je n'ai pas pris, c'est le mariage que je vais perdre à cause de toi. Si je perds à cause de toi, que ton nom soit loué, c'est toi qui as voulu. Il me dit comment il priait. Il dit, mais maintenant, je te dis, je vais lui cacher. Je ne suis pas une menteuse, mais je vais lui cacher.
afin que ta gloire soit grande. Prends les médicaments et cache. Vous avez payé comme ce mois ici. Le mois suivant, son temps de menstruer est passé. Il voit passer menstruer. Comme il était habitué à ce que ça revenait toujours, qu'il voyait ses menstrues, il n'avait plus vraiment. Il n'avait pas une rage de foi, si vous voulez. Mais il s'est rendu compte qu'il a commencé à avoir des malaises. Et il s'est acheté une tête de grossesse. Il s'est rendu compte qu'elle était grosse. Alors maintenant, il me raconte, parce que là, maintenant, il pouvait avoir accouché, je ne sais pas. Il me raconte, il me dit, maintenant, après un temps, quelques jours seulement, quelques semaines plus tôt, après que j'ai été grosse, c'est, effectivement, j'étais, quand je commençais à sentir les nausées du premier trimestre et tout le reste. Et ensuite, j'ai senti comme des menaces, comme si je vais avoir mes menstrues. Mais pourtant, je sais que je suis grosse. Il dit, j'ai prié, j'ai cité ton nom. Il dit, toi, ton serviteur s'appelle comme ça. Il t'en servit, cite mon nom. Il dit, c'est lui qui m'a dit. Il dit, j'ai pris comme ça devant mon mari. Mon mari me regarde, toi tu es folle ou bien? Okay. Et quand cette femme-là vient donner un témoignage, son témoignage est basé sur quoi? Ce n'est pas une grande femme de prière, c'est comment? La force qui a résulté et qui a donné ses résultats, c'est simplement la parole de Dieu qu'il peut ramener à Dieu. Alléluia. Il sait désormais que cet enfant-là est venu parce que Dieu a dit telle chose sur la vie. Je ne vais pas donner des prophéties, je vais donner les écritures. Je sais qu'ils appellent la Bible le déclare. Alléluia. À cause de ça, il faut que j'ai ça parce que Dieu a dit. Ce qu'elle a demandé à Dieu, c'est simplement que Dieu lui rende la vie selon sa parole. Souvent, je dis à Dieu, je dis, Seigneur, si tu as compris seulement aujourd'hui, une seule des promesses que tu m'as fait, une seule seulement, ma vie change radicalement. Alléluia. Une seule suffit. Pourquoi? Parce que certaines choses que Dieu dit là, c'est tellement grave. Il fait seulement un seul, tu as dit, repose-toi pour le reste là, on attend 5 ans. Alléluia. Parce qu'une seule promesse de Dieu suffit. Et qu'est-ce que donc je dois aller chercher ailleurs? Vous voyez pourquoi vous priez comme ça? Oh Seigneur, donne-moi. Oh Seigneur, fais-moi grâce à moi aussi, que je puisse vivre comme ça. Frère, c'est. Ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas. Tout le monde peut prier comme ça. Même un païen peut prier comme ça. Mais c'est le marqueur par lequel reconnaît ses enfants, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Ils connaissent ça. Ils n'ignorent pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut appeler nos têtes en prière ce matin? Je veux que l'Église puisse être restaurée dans ce domaine. Je pense que si nous avons des hommes et des femmes qui connaissent les Écritures, qui connaissent la parole de Dieu, qui entendent Dieu, on n'aura pas certains problèmes que nous avons. Nous n'aurons pas des gens qui critiquent comme ça bêtement des gens qui sont méchants, qui s'en vont faire des publicités sur n'importe quoi, qui sont superficielles. Toute cette superficialité vient du fait que les gens ne sont pas fondés dans la parole de Dieu. Ils ont beaucoup d'histoires dans la tête, mais pas d'histoire de la parole de Dieu en eux. Je veux que tu puisses prier le Seigneur. Lui demander de te faire grâce, qu'il sème en toi la soif et la faim de la parole de Dieu. Il est écrit dans les derniers temps, il arrivera une soif, une faim, pas de nourriture, pas de pain, mais de la parole de Dieu. Que le Dieu qui crée le vouloir puisse créer en toi une soif de la parole de Dieu. Adresse-toi au Seigneur au nom de Jésus. Ne murmure pas, ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et adresse-toi à Dieu. Parle-lui. Dis-lui qu'il puisse faire naître en toi la soif de sa parole. L'amour pour sa parole. Tu veux aimer sa parole. Il dit lui-même, demeurer auprès de Dieu, c'est ça mon bien. Je veux que tu pries, que tu dis, je veux trouver mon bien dans ce que toi tu dis. En son déclare, je me réjouis dans ce que le Seigneur a dit. La personne dit, je me réjouis dans la parole du Seigneur. Que le Seigneur te donne une telle attitude. Je pense que ceux qui l'ont ne l'ont pas charnellement, ne l'ont pas naturellement. C'est aussi une grâce. Et parfois une grâce est facilement donnée à l'un, mais il faut que l'autre puisse prier pour l'acquérir.
demande cette grâce-là, d'aimer sa parole, que ton amour soit dévolu à la parole de Dieu, que tu apprennes même à aimer les choses parce que la parole de Dieu aime ces choses, que tu apprennes à aimer les personnes parce que la parole de Dieu t'envoie vers ces personnes-là. Pas par un amour charnel, pas par un amour d'intérêt personnel, mais un amour qui est tourné avant tout vers la parole de Dieu. Car tu dois aimer ton Dieu par-dessus tout avant d'aimer quoi que ce soit. Que le Seigneur mette dans ton cœur cette soif. Je vais avoir soif de la parole. Je veux vivre ma vie prophétiquement. Pour chaque situation, connaître la pensée de Dieu. Je ne veux pas vivre comme quelqu'un qui a des projets pour lui-même et pour qui Dieu n'a aucun projet. Je vais découvrir les projets de Dieu. Je vais écouter la voix du berger et marcher à sa suite. Ô Seigneur, fais grâce, crée en moi un esprit bien disposé à la recherche de ta parole. Que ma soif croisse, que ma soif affecte mon langage, que la nourriture de la parole affecte mon langage. Tu as dit à Josué, médite la jour et nuit, qu'elle ne puisse pas quitter ta bouche. Yahweh, quand je la médite jour et nuit, elle peut demeurer dans ma bouche. Augmente en moi la soif de ta parole. Augmente en moi l'envie de revenir à ta parole en tout temps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te supplie, ô Dieu des grâces. Je te prie, ô le Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, que tout ce qui est en moi, qui m'éloignait de la parole, puisse être éloigné de moi maintenant. Que mon amour soit pour la parole de Dieu. Que ma passion soit pour la parole de Dieu. Je veux me tourner vers la parole. Je veux aimer la parole. Je veux avoir de l'affection pour la parole de Dieu. Je ne veux pas être un inculte qui n'est jamais en communion avec Dieu, qui n'entend pas le Seigneur parler, qui ne reçoit pas ses paroles, mais qui s'attend quand même à vivre la gloire de Dieu. Que je ne sois pas quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui ne fonde pas sa vie sur les paroles de Dieu, mais qui attend quand même de voir ta gloire, Seigneur. Qu'il me soit donné de fonder Yahweh toute ma vie en Jésus-Christ de Nazareth. En Jésus-Christ de Nazareth. Garde ton calme, permets-moi d'adresser une prière pour toi. Je voulais parler comme ceci clairement et calmement parce que ces choses que j'ai dites n'ont pas besoin d'écrit, elles ont besoin de pratique. Tu as besoin de pratiquer. De pratiquer la méditation et de pratiquer ce que tu médites. Tu as besoin de commencer à réorganiser ta vie selon ce que Dieu demande. Nous avons des réunions ici le mardi pour échanger selon ce que nous découvrons dans les Écritures. Mais peu y viennent et peu y échangent parce que peu y découvrent. Découvrent des choses dans les Écritures. Je veux que le Seigneur puisse t'aider. Je prie le Seigneur pour toi. Que toute ta vie soit fondée sur sa parole. Je prie que si tu es appelé à te marier, que ton mariage ne puisse pas être comme une initiative personnelle qui pourra être emportée par les vents des mortalités précoces, les vents de stérilité, les vents des divorces qui frappent notre génération. Je prie afin que, si tu devras te marier, que ce soit fondé, ton mariage soit fondé sur la parole de Dieu. Je prie pour ta profession, dans quelque entreprise, dans quelque travail, activité, tu te lances. Que la parole de Dieu te précède. Je prie que toute ta vie se passe précédée par les paroles de Dieu. Car Dieu n'est pas silencieux pour toi. Je prie afin que tu sois délivré de la conception selon laquelle Dieu ne parle pas, que tu es seul à prendre cette décision. Je prie le Seigneur afin qu'il t'apprenne à écouter la voix du berger. Qu'il te soit donné de te faire toujours précéder par la parole de l'Éternel. Quand il y a dans ton cœur un choix, une décision à prendre, que l'Esprit de Dieu puisse faire précéder ton action, ta décision par sa parole, afin que tu saches quelle est la volonté de Dieu. Je prie afin que ta conscience soit active pour réagir lorsque tu agis contre la volonté de Dieu. Et que ta conscience soit active aussi pour réagir lorsque tu agis en faveur de la volonté de Dieu. Que la paix qui dépasse toute intelligence caractérise ta conscience à chaque fois qu'elle est en train, à chaque fois que tu es en train de marcher dans la parole de Dieu. Que la parole devienne le fondement de tes études, le fondement de ton avenir. Je prie
pour toi, qui a vécu ta vie telle que tu l'as vécue, qui ne connaissait pas la parole de Dieu. Il est écrit de Samuel qu'il y a eu un temps où Samuel ne connaissait pas la parole de Dieu. Mais après un temps, les gens écoutaient la parole de Dieu de la bouche de Samuel. Je prie pour toi que ta vie commence à être réorganisée par le Saint-Esprit. Qu'il puisse te faire quitter les ânesses de ton père et t'emmener à l'onction au pied de Samuel. Qu'il puisse te faire quitter les brebis de ton père et qu'il t'emmène sur le trône qui t'a été réservé. Que la parole du Seigneur trouble elle-même et réorganise ta vie. Qu'elle la réorganise selon les plans divins pour toi. Car les projets de paix, les projets de bonheur sont en réserve pour toi auprès de Dieu. Je prie afin que tu deviennes la personne que le Seigneur a écrit que tu es. Que ce qui a été écrit au ciel pour toi devienne vrai sur la terre. Que ton image céleste puisse devenir réelle ici sur la terre. Que tu deviennes une bénédiction parce que ta vie sera restaurée selon la parole de Dieu. Je veux maintenant que tu élèves ta voix avec moi et que tu commences à prier. Comme dans le psaume 119. Crie à Dieu et dis-lui, rends-moi la vie selon ta parole. Commence à prier au nom de Jésus.